J'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Donc, pour pallier à ce manque, me revoilà aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo si tu m'écoutes en format YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un indicateur qui te viendrait peut-être sans doute pas à l'esprit. Il s'agit de ton jour préféré. Et oui, un indicateur aussi banal peut être un indice de réussite professionnelle. Je parle souvent de productivité, de révision, enfin bref, de travail au sens large. Mais en réalité, pour pouvoir travailler efficacement, il faut quand même aimer ce qu'on fait. Oui, c'est aussi simple que ça. Demande-toi juste quel est ton jour préféré. Vraiment. Réponds sincèrement à cette question. Bon, si c'est un jour en début de semaine, ça va. Normalement, on devrait être sur la même longueur d'onde tout au long de l'épisode. En revanche, si c'est vendredi, samedi, voire même dimanche, là on peut discuter quand même. Là on peut discuter pendant l'épisode. En réalité, c'est assez simple. Si tu maudis le lundi, en fait le lundi c'est synonyme de quoi? C'est synonyme de reprise. C'est synonyme de on reprend la routine ou en tout cas on reprend l'activité qu'on fait majoritairement dans la semaine. C'est pas forcément une routine, hein. Y a des gens qui jonglent parfaitement entre plusieurs statuts et n'ont pas forcément de routine. En revanche, le lundi, ils reprennent une certaine activité qu'ils ont interrompue pendant le week-end. Bon, jusque-là, on est d'accord sur la définition du lundi. Mais alors, pourquoi, dans notre société, dans voilà, l'univers collectif, il faut impérativement, entre guillemets, maudire le lundi? Voilà. On l'aime pas trop, il nous casse un petit peu la tête et puis il vient surtout rompre le plaisir qu'on a pu avoir tout au long du week-end. Mais pourquoi ça? Personnellement, je trouve qu'un indicateur aussi banal que aimer ou ne pas aimer le lundi, être impatient ou complètement détester le lundi, ne pas vouloir se réveiller, ça peut vraiment, vraiment en dire long sur la réussite professionnelle ou en tout cas sur si vous aimez faire ce que vous faites. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses. Certes, il faut réussir professionnellement, d'accord, mais pour le faire, il faut surtout aimer ce qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs que, d'ailleurs, un TikTok que j'avais posté pour les spécialités, pour aller en droit, donc j'avais répertorié qu'il fallait AGGSP, SES et en troisième, bon, une spécialité un peu libre au choix, quoi. Et pas mal d'entre vous ont répondu à ce TikTok et ont dit « Mais non, mais Marie-Ange, moi, j'ai pas du tout ces spécialités-là et pourtant, je m'en sors très bien. » Et en fait, le problème, c'est pas tant de ne pas avoir les spécialités qu'il faut. Non! Si tu t'en sors alors que tu as des spécialités qui sont typiques du S et que tu t'en sors parfaitement en droit, c'est pour une seule et bonne raison. C'est que t'aimes faire du droit et que tu t'accroches. Bon, alors qu'il y en a qui ont le bagage intellectuel qui va avec le droit, qui est concordant en tout cas au parcours, comme voilà, HGSP et SES, ou encore HLP, mais au final, qui n'aiment pas et qui abandonnent. Mais oui, c'est normal, si tu n'aimes pas faire quelque chose, tu ne tiendras jamais sur le long terme. Ou en tout cas, dans les moments durs, ce sera beaucoup plus difficile pour toi de d'y faire face et donc de continuer. Elle est là toute la nuance. Donc non! Voilà, pour recontextualiser ce TikTok qui a fait pas mal de débats, non, ce n'est pas l'unique voie. Et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire oui, mais moi j'ai fait ça, est-ce que tu penses que je peux être acceptée? Alors, je ne suis pas une académie de recrutement, je ne suis pas Parcoursup, mais une chose est certaine, c'est que si vous vous accrochez, peu importe les spécialités, bien sûr que vous pouvez réussir, bien sûr. Et il n'y a pas de barrière à l'entrée, hein, j'ai envie de vous dire, il y a plein de S en droit, il n'y a aucun problème. Mais tout ça pour en revenir au fait que aimer ce qu'on fait, c'est quand même la clé. Et donc, en découle de cela, si on n'aime pas le lundi, on n'aime pas la reprise de notre activité que l'on fait majoritairement dans la semaine, c'est qu'on n'aime pas l'activité que l'on fait. C'est très simple, c'est extrêmement simple. Si tu te retrouves un petit peu dans ce discours un peu diabolisateur du lundi, eh bien, je vais te dire une réalité, c'est que d'une part, tu n'apprécies pas l'activité que tu fais au quotidien. Et d'autre part, tu utilises ton week-end comme un échappatoire. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que le week-end, c'est 2 jours dans la semaine.
Si il y a seulement 2 jours où tu es pleinement épanoui et que les 5 autres, ça ne va pas, ça pose problème. Ça pose problème pour ton estime de toi, en fait. Parce que non seulement tu te dis, bon, j'ai une activité qui ne me correspond pas, et en plus de ça, ton subconscient a bien conscient, mais bon, voilà, ton subconscient est bien au clair sur le fait que tu utilises ton week-end comme échappatoire. Et c'est vraiment malheureux, je trouve. Bon, si jusqu'à présent, tout au long de l'épisode, tu te dis, bah moi, je sais pas si j'aime le lundi. En réalité, voilà, je me lève, je fais ce que j'ai à faire et voilà, c'est un jour comme un autre. Bon, si t'as cette mentalité-là, pose-toi une seule question. Si tu mettais une activité, peu importe, voilà, une activité le lundi, est-ce que ce serait une impulsion pour ta semaine, ce serait un moteur pour toi de te réveiller, tu te dis ok, là faut que je dorme tôt parce que lundi matin je vais faire ça. Ok, là tu vas te dire bon bah j'aime cette activité. Et fais ça avec autant d'activités que tu veux, peu importe, mais tout. Par exemple, les gens qui n'aiment pas faire du sport, bon bah s'ils le mettent lundi matin, je vous assure que ça va être une mauvaise semaine. Ils vont se réveiller, ils vont se dire non, non, j'ai pas envie de faire du sport. Bon. Bah, ils vont pas le faire et en fait, ils vont associer lundi à sport et ils vont détester le duo quoi. Alors que si tu mets une activité que tu adores faire le lundi matin ou le lundi tout court, tu verras qu'automatiquement, tu seras plus en train à poursuivre, à faire ta semaine, à y aller quoi. C'est bon, c'est le lundi, trop hâte, c'est génial. Et moi, je trouve qu'on devrait tous avoir un petit peu cette mentalité-là. Bon, bien sûr. Voilà, c'est pas inconditionnel non plus, il y a des lundis où ce sera plus facile que d'autres, mais enfin, en règle générale, on devrait tous s'impatienter un petit peu du lundi parce que on reprend ce qu'on a interrompu le week-end. Je sais pas si vous visualisez un petit peu ce que je veux dire, mais pour ceux qui sont en études par exemple, vous allez reprendre les études. Ce sont des études qui sont pour certains une vocation, un plaisir. Donc c'est génial pour ceux qui reprennent le travail. Vous allez retrouver votre lieu de travail, un thème que vous aimez bien faire au quotidien. Enfin voilà, ça devrait être un pur plaisir pour tout le monde. Et si on arrêtait juste de diaboliser lundi, à mon avis déjà, il y a pas mal de personnes qui se diraient, bon, en fait, ce que je fais, c'est pas si nul que ça. C'est sympa, j'aime bien ce que je fais. Voilà, il y a pas mal de gens qui se dirait ce discours-là. Et paradoxalement, ça marche aussi dans l'autre sens. Je m'explique. C'est-à-dire que là, vous avez un discours diabolisateur envers le lundi. Donc si vous diabolisez le lundi, bon, c'est que en fait vous diabolisez l'activité que vous faites. Mais bon, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous n'aimez pas l'activité que vous faites, vous n'aimerez jamais le lundi. Et pour certains, ils ont conscience. Ils ont conscience, ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent pertinemment qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils n'aiment pas forcément, voilà, l'étape par laquelle ils passent, ça peut être par exemple les études. Voilà, vous savez que vous allez aimer tel ou tel métier, mais le parcours pour y arriver, bon, vous l'aimez pas trop, trop d'embûches. Bon, je peux comprendre. Pour, en tout cas, momentanément, si ce n'est pas, voilà, changer radicalement votre travail ou changer radicalement votre filière d'études, enfin bref, pour pas avoir à faire un changement radical instantané, j'ai quand même quelques conseils, bien sûr, je ne vous laisse pas comme ça. J'ai quand même quelques conseils pour mieux apprécier le lundi et pourquoi pas aller progressivement vers un changement de ce que vous faites, un changement d'activité qui va au fur et à mesure du temps vous révéler que non, vous n'aimiez pas l'activité que vous êtes en train de faire actuellement et que c'est nécessaire que vous changiez, que vous alliez vers une autre voie, un autre travail. Enfin voilà. Donc au-delà d'être un simple lundi, le lundi est un indicateur. Oui, voilà, je le dis, oui, c'est un indicateur pour savoir si vous aimez professionnellement ce que vous faites ou non. Évidemment, mon arme blanche pour vaincre le lundi, ce serait la planification. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'ai fait pas mal d'épisodes de podcast à ce sujet-là, sur voilà, la productivité et l'organisation au sens large, mais dans pas mal d'épisodes, j'aborde la planification et l'importance en fait
d'organiser, de planifier ce que vous allez faire tout au long de la semaine. Bon, tout simplement, planifier ce que vous allez faire tout au long de votre semaine. Donc ça, vous pouvez le faire vendredi, samedi ou dimanche, hein, peu importe. Voilà, juste vous prenez un petit temps. C'est pas très long, c'est maximum 15 minutes en réalité. C'est pas très long et ça vous permet au moins de vous réveiller lundi en vous disant « Ok, bah, je fais directement ça. » En fait, j'ai pas le temps de me dire « Oh, c'est le lundi, c'est la reprise. » Vous avez pas le temps de vous dire ça. Voilà, c'est planifié, c'est écrit, vous devez faire telle ou telle chose. Bon, bah on se lève, on les fait. Et la planification, ça va non seulement vous donner une vision en amont de la semaine, donc vous pouvez déjà avoir une perspective de comment elle va se dérouler et comment vous souhaitez qu'elle se déroule surtout. Donc vous avez une vision en amont et en plus de ça, sur le moment T, ça limite votre réflexion. Et on le sait très bien, moins on réfléchit, plus on agit. Donc oui, le cerveau va toujours, toujours vous amener dans la phase de on réfléchit. On réfléchit si on va faire du sport ou pas. On réfléchit si on fait cette activité maintenant ou après. Ah non, c'est mieux à la procrastination. Bah oui. Bah oui, le corps humain est fait pour ça, il est fait pour procrastiner, il est fait pour rester dans une zone de confort et ne veut surtout pas agir. Mais pour contrer cet élan totalement naturel, la planification, c'est un bon moyen. Donc essayez, essayez hein. Mais ça peut être une planification totalement banale. On n'est pas obligé d'être ministre, d'avoir 48 statuts professionnels et puis 4 entreprises pour planifier. Hein. Pas du tout, ça peut être des semaines totalement lambda. Voilà, je vais au travail, je rentre chez moi, je fais ci, je fais ça. Ça peut être super simple, vraiment. Et puis, ce qui est magique, entre guillemets, avec la planification, c'est que c'est totalement adaptable. Attention, attention, la planification, ça ne veut pas dire contrainte. Au contraire, la planification, c'est synonyme de flexibilité et d'adaptabilité. Il faut garder ça à l'esprit parce que j'entends pas mal de personnes, souvent, qui me répondent, par exemple, moi, vous savez que voilà, je planifie beaucoup, je fais beaucoup de to-do list, l'organisation, c'est vraiment une clé pour moi. Et d'ailleurs, on abordera dans un prochain épisode, mais voilà, l'organisation, pour moi, c'est vraiment une clé de réussite. Et pas mal de personnes répondent à cet argument en débattant et en disant, oui, bah, moi, je trouve que t'es pas obligé de toujours tout planifier, au contraire, vivre le moment présent, vivre sans trop planifier, ça aide aussi. Bon, ok, bon déjà ça dépend de la nature de chacun. Mais, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que quand on planifie, on n'est pas buté. On se dit pas, si je fais pas ça maintenant, c'est fini. J'ai raté ma semaine, c'est foutu, et patati patata. Non ! Non ! Quand on planifie, on a juste, comme je viens de vous le dire, une vision en amont. Et cette vision en amont, elle nous permet à tout moment de déplacer les choses. Voilà, je devais faire ça, mais je vais le faire là, machin. Et c'est très rapide. En fait, ça permet une fluidité et une rapidité qui vous facilite la durée de la semaine. Voilà, la durée de la semaine, la durée du mois, et puis même la durée de l'année. Hein, voilà, ça marche pour tout type de planification, que ce soit à l'année, au mois, ou à la semaine, ou même au jour. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Voilà, la contrainte par la planification, c'est faux. C'est pas une contrainte, et au contraire, et ça, c'est vraiment une réflexion empirique, pour le coup, il y a pas mal d'opportunités que j'ai pu saisir, juste parce que j'ai planifié. Je savais que dans ma semaine, j'allais faire ça. Bon bah non, là il y a une conférence, tel lieu, telle date, bon je devais faire ça, mais c'est mieux si je fais ça, comme ça je saisis l'opportunité de la conférence, et puis je fais ci. Est-ce que vous voyez un petit peu de quelle flexibilité je parle ? Donc voilà, je ne veux surtout pas que tu gardes en tête cette connotation de contrainte avec la planification, c'est complètement faux, il faut dissocier les deux notions, ça n'a rien à voir. Et je souhaite ajouter un dernier petit élément. Oui, la planification a pas mal de vertus, donc voilà, ça te donne une vision, ça simplifie tes actions puisque ça limite la réflexion, et surtout, ça permet d'organiser ton temps. Bon, là, tu me dis, bon, pourquoi elle ajoute ça enfin ? On savait que ça permettait de s'organiser. Oui, ça permet de s'organiser, mais ça évite surtout le « j'ai pas le temps ». Non, tu n'as pas le temps, c'est juste que tu as planifié, tu as des priorités pour ton temps, tu souhaites accorder ton temps pour telle et telle chose d'abord,
ce qui est totalement légitime. Et donc, du fait de ta planification, tu vas pouvoir voir à quoi et à qui et à quel moment t'accordes ton temps. Parce que, rappelons-nous, le temps, c'est une donnée très précieuse et qui n'est pas illimitée. Voilà. Donc il faut s'en servir à bon escient. Et je trouve que la planifier, ça permet d'avoir quand même une visibilité, comme un peu un feedback sur comment vous utilisez votre temps, puisque c'est une ressource limitée. J'espère que cette courte réflexion autour du lundi, de cet indicateur qui, pour moi, se révèle comme un indicateur de réussite professionnelle ou pas, va te permettre, avec les conseils que je t'ai donnés, va te permettre de mieux apprécier ton lundi, d'être un petit peu plus enthousiaste. En tout cas, je l'espère pour toi, que voilà, ce sera un jour joyeux. Et en tout cas, bien sûr, je ne diabolise pas le plaisir qu'on peut ressentir pendant un week-end, voilà, la satisfaction de couper, bien sûr. Ce n'est pas ça que j'ai dit tout au long de l'épisode. J'espère que tu t'en rends bien compte. Mais en tout cas, avoir, voilà, un esprit joyeux, un bel élan pour le lundi, c'est toujours, toujours agréable pour commencer sa semaine. Donc, ne t'en prive pas. Elle était là, en fait, toute ma pensée. Voilà, sur ce, moi, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur l'application podcast, sur YouTube, voilà, sur TikTok, sur Instagram. Enfin bref, tous les réseaux sociaux où on peut interagir ensemble. N'hésite pas à me faire des suggestions de vidéos ou d'épisodes de podcast que tu souhaites écouter ou visionner. Et voilà, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et de ton entourage. Et on se retrouve très bientôt.